anybody like some pound cake? I'd like some pound cake, pour le deuxième essai de Meltdown. Par contre, tout le monde ensemble reste ensemble et on prend les sacs, on les remplit les cartes maintenant, ok? On commence pas à foutre la merde. Donc, évidemment, ah si, encore le même, toujours le même endroit en fait. Non, c'est peut-être de la coïncidence ici. Coïncidence, ah ben je sais pas. Alors. Mulligan et lance-roquette prêt pour la guerre, chef. T'as vu, j'ai même pris ma fourchette à merguez. Trop fort. T'as compris le délire, misquilleuse. Bon, j'ai pas trop de pied de biche, mais. J'ai le pied de biche. La logique de conduite, c'est déjà pas mal. Et du coup, il y a un autre truc, ça, les gars, c'est récupérer tout le loot ici. Si on utilise la voiture, c'est pas mal la conduite de truc. Enfin, là. Ouais, je le trouve plus simple que les supercars, franchement. En même temps, les supercars vont vite, donc c'est pas pareil. Ok, pas besoin de mettre une de perceuse. Cherche après des pieds de biche, les gars. Non, mais ils sautent du toit comme si de rien n'était, quoi. Vas-y, d'où il sort ce bâtard? D'où il sort? Tiens, je colle une tête, t'es content? Gitan. Gitan, ha ha! Ça servait à rien, Mara, j'ai réussi. Est-ce que vous avez pas une carte? Salaud! Nous n'avons pas une carte. Tiens, tête. On me tire dessus! Vous avez des Clark déjà en bas ou pas? J'en ai ramené un. D'accord. On a même Clark Kent! Le Clark! Le Clark, frère, le Clark. Oh là là. Il pas de garder un pied de biche ou d'au moins d'abord ouvrir les portes avant de... Les caisses, pardon. Là, on est déjà à deux utilisés. Ah, mais il essaie d'en garder un quand même. Ah, Balmasto. Ohé, ohé. Oh, Balmasto. T'es trop con, putain. Et dégage, toi. Tu veux quoi? Tu veux ma carte? Je suis la carte, je suis la carte. Et on a deux forklifts. C'est parfait. Ça me fait penser au dessin animé avec le chien rouge Clifford. Clifford, oh mon dieu. Clifford, le grand chien rouge. Oui, ou le chien géant. Je me souviens plus de l'intitulé exact. Au but. Excusez-moi, je vais manquer de balles là. Il y a plein de cadavres. Les gars, aidez-le. Ouais. Mara, en fait, il en a rien à foutre. Ah, il est là. Je suis en train de me dépâturer. Tiens! Merde, je suis flash, je vais mourir. Peut-être pas. Face contre le mur. J'ai pour pris dans le fur. Mur. Ouais. Dans le mur, dans le. Dans le fémur. Ce serait bien de trouver des putains de pieds de biche en fait. Bah, y'en a un ici pas loin, mais il est bloqué avec une barrière, donc on va faire. Bah, n'utilisez pas du coup pour la ventilation alors celui-là. Mais quatre kills, mais couille! Ou alors laissez le WAM, mais. J'aurais dû mourir. Je vais l'améliorer parce que. Il y a du bruit, c'est chiant. Ah, les casse-couilles! Ah! Mais c'est le secar, c'est trop là. Tu fais la coke, c'est déjà là-bas. Je maquille si je veux. Ouais, je fais la coke. Merde, j'ai plus tout pour améliorer. Et vous êtes sûr que ça peut fonctionner sans normalement. Sans les trois. Sans oh les trois. Oh sans les trois pieds de biche, t'es sûr que ça fonctionne? Ils l'ont dit. Faut au moins un, et c'est plus rapide si on met les trois. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Parce que la différence, c'est que. Enfin. Ou alors c'était vachement une coïncidence, ou quand j'ai mis le dernier, ça venait super vite quoi. J'ai un pied de biche, j'utilise pour quoi faire. T'as le pied de biche que t'as trouvé dans la cage jaune. D'abord les caisses. Open the crate, ici mec. First crate. I open the crate. The door. I've got the gold, bitch. À l'étage, y'en a une dans les sites de les cages biche. De quoi, de caisse ou de pied de biche? De caisse. Sinon, si c'était un pied de biche, j'aurais pris.
Ouais. Tous les... à ma gauche. Une carte magnétique, pourquoi faire? Pour ouvrir les différentes perceuses. Ouais, il y a des snipers. Mara, viens, viens, reste avec nous. Ici, il y a des caisses à ouvrir à l'étage, tu pouvais venir. Ne t'éloigne pas de la lumière verte. Il y a trois caisses à ouvrir à l'étage, autant les ouvrir maintenant avant d'utiliser cette technique. Regarde, il est ouvert, tu vois, toi. Quoi? Ouais, il est ouvert, le machin. Ouais, mais ça a pris plein de temps, quoi. Ouais, mais ça a pris autant de temps, en fait, au début. Il y a un truc ici. Je crois qu'il y a une caisse ouverte là-bas. Donc. Là, il y en a une aussi. Mais pourquoi c'est en truc disco? C'est quoi notre idée? J'en ai aucune idée. Dégueulasse, en tout cas. Et là aussi, il y en a une. C'est pas un bug. De l'or. Ça sera pas comme ça. De l'or. J'ai un tout petit canon pour mon minigun. Ici, il y a encore une. J'ai un tout petit canon pour mon minigun. J'ai un tout petit canon pour mon minigun. D'accord. D'accord, toi. Je suis en train de lire la valise. Et y'a du monde. Warheads 5. Vous avez sorti les tous les trucs des caisses? Yeah. Ok. On va essayer de les mettre sur plusieurs. En fait, si on pouvait prendre 3 Clark à la fois, ce serait bien. Y en a encore un, Je sais pas. Pourquoi y'en a encore un à prendre? Mais sors-le alors qu'il y en a encore. T'as Siri. Vraiment fait ce que t'as fait. T'as fait quoi? T'as pas entendu? Ah ben, regardera ta vidéo YouTube. J'ai envie de te dire, Kev. Hashtag like a pété. Ah! Non. Le même, mon gars. Il a rien dit, je lui ai laissé 5 secondes pour se dénoncer, tu vois. Il a rien dit. Tu m'as pas eu besoin, il est venu d'un coup comme ça, quoi. Genre, toi, il a fait salut, c'est moi. Ouais, t'es pas si ça tient. Ouais, c'est extrêmement drôle de te conduire à sortir de derrière parce que t'es assis en lévitation. Eh Siri, tu sais ce qu'on dit? Une question, est-ce que quelqu'un s'est monté sur les dents du truc et resté dessus? Vas-y, essaye. Là. C'est ce qu'on dit, Cyril. Oui. L'amour, l'épée, c'est comme l'amour. Par contre, si tu te forces, c'est les que gars, de la vous savez prendre les Clark et on démarre. Ce serait bien. Boum boum, motherfucker! Non! Ça, les tasers ont le pouvoir de te faire sortir d'un véhicule. Qu'est-ce qu'il y a le pouvoir de me faire sortir d'un Allez, véhicule? Allez, putain! F. On peut partir, faire un convoi et tout se suivre, en fait, ce serait bien. Parce que là, il y a un cas qui manque dans le bon sens. Il manque un tech war mode. Pensez, non. J'avance, tutu! Attends. Viens, on va d'abord vider ça alors. Enlève deux trucs. Non, regarde, ça tient, non? Quand t'avances, ça vire. Non mais je veux dire, qu'on vide ça. Kev, je prends la bagnole ou pas? Attends. On vide ça. Je sais pas. Là, pour le moment, on est bien, non? Je sais pas. Ouais. Des snipers, des tourelles, quoi. Les gars, vous êtes où? Ils ont déjà démarré, en fait. Ils ont déjà démarré. Putain, mais nous attendez surtout pas, les gars. Bah, tu dis grouille-toi. Mais grouille-toi, qu'on fasse un convoi, je vous ai demandé. Ça je l'ai dit aussi, tu entendras la vidéo. Attends, je suis en train de charger, il y a un méchant qui est pas beau, il y en a plein en fait des méchants pas beaux. Je saurais pas le sauver. Sauver qui? Putain, Cyril. Mais... En fait, c'est que vous dites rien, que vous êtes mort, ça m'énerve ça. Je suis mort. Je sais pas. Ah putain, ok. Je peux rien faire, je suis en train de me faire pousser. Tu es vivant, frère! Les gars, non! Cyril, re-soigne-le! Ok, ouais, me soignez-moi. Ouais, la prochaine fois, si on pouvait partir en même temps, comme je nous montre. Y'a des snipers sur moi, faites gaffe. Ouais, je vais prendre un équipement sérieux. Par contre, je lance lequel, je vais vraiment. C'est cool! Mais en fait, c'est vrai qu'en toi, tu déconnes avec ton minigun, peut-être. Et t'as pris les RPG en deuxième arme. Oui. Tu déconnes vraiment. Ah non, le RPG pour les. À mon avis, pour les tourelles, c'est ce qu'il va falloir. Hein. Ouais, d'accord, mais minigun alors, du coup, tu vois, je sais pas. C'est ton jamais. Parce que moi, si je prenais lance-patates avec une arbalète, tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça va aider personne, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Dis-moi un peu. Bon. Hein, bon. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, moi aussi, je sais pas ce que je fais là. J'ai un pied de biche, nickel. Bon, est-ce qu'on prend les Clark, c'est bon? Yeah. Ouais, moi le mien, il est garé. On a tous les trucs normalement.
On verra si, ouais, c'est trop chaud ou pas de faire demi-tour et de tout récupérer le reste. Avançons. Mara, t'es dehors ou pas? Ouais, je suis avec toi là, je suis dans. D'accord, je te vois pas, je suis pas en tournant en fait. Putain, je me fais moi, tout ce que je peux faire, c'est faire peur au sniper, mais je peux même pas les buter quoi. D'accord, fais leur bien peur alors. J'essaie de zigzaguer à toute vitesse entre les. entre les machins, mais. Oh, putain, c'est affreux hein. Et. Zigzag, aïe. Ça suit ou pas derrière? Je passe. Ça suit derrière ou pas? C'est réellement impossible de viser quoi que ce soit quand on prend la bagnole ou pas? La prends pas du coup alors. Comme ça on peut avoir le succès et avoir le masque, je sais pas quoi. On aura qu'à la refaire avec la voiture après. Non, pas d'abord les. C'est uniquement plaisir. Bah écoute, oui, mais. Là on est bien parti pour le réussir avec le point les Clark donc. Non? C'est qui a laissé au sol? Mara! Je suis affré. Mara est sauvé. Mara? Allô? Oh là là, Mara! Reconnecte-toi vite. Je suis connecté. Non, t'es connecté avec ton GSM, frère. J'ai été kill. C'est pas le seul ou pas? C'est qui ça derrière? C'est Antoine ça? C'est moi, ouais. Okay. Ouais j'ai, voilà, j'ai pas volant, du coup, j'ai juste forklet numéro 1 et 2. 3. Attends, parce que Cyril aussi. Ouais. C'est quoi ce délire? Mais la connexion. Attends, non! Non! Quoi? Ah putain, j'ai eu peur. J'ai vu un. J'ai cru qu'il y avait un truc qui avait disparu en fait, mais c'est toi qui as avancé tout seul. Mara! Ouais, mais ça a crash. Encore? Pareil, au même moment. Non mais là c'est carrément le jeu. Ouais, oh moi aussi. Putain. Oh ça c'est pute ça Kev. Quoi? La tourelle, si elle me vise pendant que je lui tire dessus, elle fait exploser la roquette. Non, tu l'as touché. Tu vois, elle a perdu la vie. Ouais, je l'ai touché une fois. Oh putain, j'ai des freezes avec les déconnexions des gens. Ah, ça vise Oxton, donc je peux peut-être tenter. J'espère que quand elle est détruite, point, tu vois. Non, non, il faut la distraire, faut la distraire, là. Ok, Oxton, okay, apparemment, il tourne dessus, pour le moment. Nice, encore, à mon avis, 3, à mon avis, mais t'en as plus que 2. Ou une. J'ai plus qu'une. Je peux poser un chargeur, quoi. Enfin, un sac. Ah, mais tu peux tirer à l'infini, non? Non. Ah bon? Alors, c'est un peu le truc de la... Encore à l'arrache, la vidéo. Putain, c'est le chaos quoi. Et mon clac est encore là, c'est super. Elle a pété là? Ah non. Non, pas encore, je pose un sac. Veuillez patienter. Ok, Cyril avance un petit peu le clac, mais ne. Mais viens easy quoi, tu vois. Ouais, easy posé. Avance pas trop. Calme. Sinon, tu peux pas avancer, on a bloqué la route comme des connards. Comme des connards. Du coup là pour le moment on a quoi? On a un sac d'or je pense et les 8 sacs de bombes nucléaires. Enfin, pas nucléaire mais... Putain elle en a pas marre la tourelle? Ah voilà. Elle va mourir en toi. Avec elle en même temps. Elle est morte? Je pense. Non, encore une roquette. Faut la distraire les gars. Ok. Dépêche-toi jeune merde. Allez viens, tire dessus. What? Encore 33 000 points qu'elle a encore. Elle a plus rien en fait. Toute la carte se tremble, c'est violent. Et encore une autre tourelle plus loin. Hein. Non, quel conne. Trop du cul, c'est suicidé. Mais mec, dans le stream, on voit bien que je tire pas. Ouais, sur ouais. Distrayez-la. Moi, j'ai vu que tu tirais dedans. Elle tire plus là. Tu vois, elle tire pas, hein, toi. Chalo. Ah putain, enfin. Elle est morte. Putain, j'aurais pu avoir un succès pour ça, quoi, au moins. J'avoue. Défroyeur de tourelles. Que j'aurais comme il tirait. Ah, le jeu en train de décider que j'avais une connexion pas mal. Faut y aller. Bah, faut aller bloquer. Parce que je prends cher, mais je sais pas d'où. Putain! Désolé, hein. Récupère mon bouclier. Alors, Mara qui est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Ah, ben non. Alors, go! Cyril, t'es dehors? Ah, ben non. Je te lèche le cul. En fait, non, je ne suis pas retour. Sérieux? T'as encore crash? C'est quoi ce délire? Oh, c'est comme ça! Démarre ton Steam!
Mais c'est des couilles, ça. Bah... Putain, j'ai lancé Big Picture. Ah, Big Picture. Voilà. Cette merde ambulante. Il manque que le Clark, qui est composé essentiellement de vide, me fait esquiver la moitié des balles, quand même. Bah en fait c'est des balles, c'est de l'acier à aimant à balles, tu vois. Ah oui, voilà. Comme ça tu es sûr que tout ça. Ouais, c'est réel, ça suit. Ouais, nickel, je te lèche le cul là. Ok, lèche-moi le cul. C'est de l'acier de film hollywoodien, tu vois. Ah. Oh bah ça faisait frais, dis donc. Ouais, je sais. J'ai en pas fait, de ici, gaz qui sort de mon corps. Dans cette zone là, il y a uniquement les flics en mode perché ou sniper. Ouais, c'est quand on est dans l'entrepôt que c'est le bordel en fait. Et ce sont les seuls qui me font mal, hein. Putain. Ah merde, ça s'est déplacé par rapport à tout à l'heure, fait yesh. Putain, la voiture quoi, ça m'aurait tellement éclaté, là ça fait un quart d'heure qu'on... Eh bien tu fais pas chier. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut au final, ils sont même dans les gars. Crash. Vous savez ça? Bah non. Je voulais pas. Bon, Bidou nous tuer tous avec ta roquette dans toi. Allez putain Marin, non, je vois pas maintenant. T'arrives pas à monter déjà et puis toi tu viens et puis moi tu gênes. Mais lui t'as le bordel de merde. C'est la déco. La déco. La merde. La déco du streamer. Et quoi Mara? Putain quoi, on t'attend nous. Qu'est-ce qui se passe Mara? Après on m'emmerde parce que je fais une crotte. Attends. On fuit maintenant ou pas? Babouchka. Viens. On pourrait le faire, ouais. Hein? Oh putain, chaud. Ça va. As-tu vu? Est-ce qu'on fuit maintenant ou pas? Ah, y'a Mara qui se fait daronnette, les gars. Et tu fous Mara. Bon, on peut y aller. On attend Mara ou pas? Oh, bon, Mara, on peut le faire. Les fichiers Oxod, c'est juste Oxod que je dois virer? Ouais. Le fichier. Le dossier. Ah non, il y a autre chose à supprimer. Je suis désolé, t'as fait peur, Guillaume. On fait quoi, les gars? Là, je tourne en rond en train de filmer avec Rap, donc. MC. Je vais essayer de l'attendre. Il est en train de faire sa reco, donc. Écoute, Antoine, mets-toi dans la zone. De fuite, comme ça s'il respawn, il respawn là-dedans et moi je rentre au dernier moment quand il a respawn. On a tantôt, un peu moins avoir ça. Le jeu crash, je vais le désinstaller. Ouais, tantôt. Bah ok, bah viens alors Kev. Je supprime, je vais réinstaller en mode propre mais... Et voilà, deux succès de suite, voilà. There was a car. Succès de gros déçu là, merde. C'est ça quoi. Il y avait une caisse, frère. Ça. Jeffrey. Voilà. Bravo tout le monde. GG. Après un essai raté, deuxième essai directement réussi en overkill, c'est GG. Et sur la voiture. On est des beaux gosses. C'est couille, mon gars. Bah on peut le refaire avec la voiture. C'est pas chiant. On a le permis Clark. Le permis Clark. Clark. Je passe niveau 85. Niveau 85. Enfin, 685. Yeah. T'as raté un masque Anto. Et Anto, t'as raté un masque. Non mais j'ai. Dommage, Anto, t'as le canon prodigieux. Le canon prodigieux. Pardon. Et voilà, cela mène en terme à ce nouveau braquage de Payday 2. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve pour de la nouvelle suite de GKC Playground. Salut à tous. Oh, yeah. Bye.